Revue de patron, aujourd'hui on s'intéresse au short Marius de chez Ma Petite Fabrique. J'essayerai de vous mettre un dessin technique si j'y arrive. Je vais tenter l'expérience. Je vous montre toutes mes versions et puis je vous dis ce que j'en pense. Voilà mes trois réalisations, tous les trois dans des tissus qui viennent de chez Driessenstoffen. Ces deux-là, ce sont des gabardines stretch, ils appellent ça bengaline. Et ça, c'est un genre de tricot avec un peu d'élastane à l'intérieur. C'est la première fois que je cousais des shorts. Du coup, j'ai choisi la version avec un élastique à chaque fois. Il n'y a pas du tout de zip. Donc, c'est super facile à faire. La petite chose que moi, j'ai pas réussi, c'est à finir proprement ici mes ceintures. J'ai pas fait le repli de 1 cm où on pique dedans pour que ce soit aussi propre à l'extérieur qu'à l'intérieur. Je vous avoue que j'ai passé cette étape. Alors, mon avis sur ce patron, franchement top. C'est un patron qui est bien fait, ça va très vite à coudre. J'ai dû mettre 45 minutes et le plus long a été d'enfiler l'élastique et de choisir la taille de l'élastique et de le coudre. Donc vraiment foncé. C'était mes premiers shorts et j'ai eu aucune difficulté. Vraiment génial. Moi, j'aime les patrons qui ont différentes options et celui-là, il propose un nombre d'options assez importantes et ça, j'aime beaucoup. En revanche, je ne vais pas coudre la version avec le zip, je pense. J'aurais peur d'être trop serrée, même avec la bonne taille. J'aime bien l'élastique parce que on est tout de suite à l'aise avec. Il n'y a pas de questions à se poser. Si on a le ventre un peu gonflé ou quoi, là, il n'y a pas de problème pour passer le short. Donc ça, j'adore. Et je vais vous montrer ma version préférée. Alors, sur les trois, celui-ci, j'aime pas trop la couleur. Je l'ai porté une ou deux fois et finalement je suis pas trop fan de la couleur. Donc je verrai cet automne-hiver si j'arrive à bien l'accessoiriser pour que ça rende sympa. Celui-ci il est noir, il est tout basique, bon il est cool mais bon il n'y a rien d'exceptionnel. Et celui-ci je l'aime beaucoup. Voilà, pareil il va falloir que je trouve la bonne façon de l'accessoiriser mais je l'aime vraiment beaucoup. La seule chose qui m'a dérangée quand je l'ai porté toute une journée quand j'étais en déplacement à Paris, c'est que mes cuisses elles se frottent entre elles et du coup le tissu ici il s'accroche. Et ça remonte en fait, ça remonte un peu. Donc je l'aime beaucoup, mais c'est pas à porter une journée où il y a beaucoup à marcher. Mon conseil tissu pour ce patron, c'est de choisir quand même un tissu qui a un petit peu d'élastane. Je trouve ça beaucoup plus agréable quand on s'assoit et je trouve qu'on est beaucoup plus à l'aise. Donc c'est pas dans les tissus préconisés, il me semble, par le patron. Faudrait revérifier. Mais moi, que ce soit les bengalines de chez Driessenstoffen ou le petit lainage, le tricot tout fin là, il y a de l'élastane dans les deux et c'est très très appréciable.